Pozamache. Bonjour, mon Amboka. Pozamache, je suis le partenaire de l'Info Nationale Télévision. Je suis le partenaire de la politique de la République démocratique du Congo. Mon Amboka Mache, je suis le santé politique de la République démocratique du Congo. Santé politique de la République démocratique du Congo est tout en bas bien, malgré ceux qui n'ont pas voulu qu'il y ait la tenue des élections, mais tu as vu ça avant que nos élections soient salées. Pendant une période, il y a campagne électorale. Et le coup d'envoi a été lancé par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et bah, je vois, dans le terrain, il faut bah, convaincre énormément la population par rapport à bah, discours, à bah, projet de société. Mais pour nous, le candidat magistral, le numéro 20, Fatih Béton, qui nous a besoin de comment est-ce que Maramouzo a évolué à la roulette. Bah, plein y a Ningwana donc partout, donc c'est du succès donc au niveau mon coco imaginez. Et TVZA Radio T, vous aurez le temps, ou alors vous avez le temps à Kolanda. Babilili Nengezo. Exactement. Okay. Merci beaucoup pour la machine sur le bas. Terre a déjà miné, bah, je suis en terre, voilà en boucle. Toi qui es dans le monde, on a fait un peu de politique électorale. Tu peux t'amener sur la sécurité en Boka, mais tu peux t'amener sur le monde. Tu as M23 sur le terrain, tu as activé la force vis-à-vis de la côte de la côte de la côte de la ville de Goma. Mais tu as un territoire qui est récupéré par l'IFRDC. Tu as un territoire qui est M23 qui est avancé sur la carte de la territoire. Qu'est-ce que cela veut dire par là, mon amour, au M23 à l'économie à faire? Bon, le problème avec le M23, tu as vu que non, M23 ils ont existé. Donc, c'est le gouvernement rwandais, c'est le régime de Paul Kagame, nous sommes à la base et à Babylon. Mais tu as dit qu'il y a lancé énormément un message, Moko et pas Paul Kagame, que le régime, il y a Félix Tshisekedi Tshilombo, il y a un régime, il y a Kabila T. C'est-à-dire, le président de la République, nous avons appelé Sibiso Oyo, a déterminé pour la recherche qui m'a appelé à la Katiambo en Abisso. Et puis, tout ça, vous savez vraiment que non, c'est une question de temps. Et ça, juste moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Donc, le problème, il n'y a pas au Kagame, et ça, par rapport, il y a un accord, il y a un signal qui est Bakamba qui est RDC par le passé. Alors, il croyait que Félix était vraiment dans le même diapason. Nabato, il y a un traité Nabangwana. Et comme c'est lui qui avait sous-traitancé vraiment ces régimes passés, il a cru peut-être que non, la chose allait être vraiment la même. Mais à sa grande surprise, à mon avis, joueur au Pénormand Zobeta, Azap Pénormand joueur à Zobeta. Na ba vitesse moko croisière, ba vitesse moko incroyable. Yangwana Félix Azoko ma Pénormand sujet, il y a étonnement. Il y a Paul Kagame et puis il y a Batignon sur le Pénormand Bazar, c'est Maya Paul Kagame, comme la communauté internationale. C'est-à-dire que tout ça, pour soutenir la décision du président de la République, pour soutenir le Pénormand politique. Et Binomon, Pénormand, mine de rien, il a renversé la vapeur. Situation, il y a RDC et Zouz à la Pénormand, donc au bon point, par la diplomatie éclairée, par un leadership vraiment convaincant. Il y a Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire, c'est un leader qui a démontré à ses adversaires comment est-ce qu'il ne pouvait pas négocier à ce qui concerne la sécurité, il ne pouvait pas négocier à ce qui concerne le développement de la RDC. C'est-à-dire, Babylon Kohem 23 ans sur les sols congolais, et il y a un problème, il y a tant. C'est-à-dire, Bango Bazotina. Le gouvernement et la République démocratique du Congo a eu une négociation qui n'obtiendront jamais. Négociation, c'est-à-dire vous allez demander à un gouvernement responsable, à un régime responsable et établi par les élections, de négocier la troupe Moko ou alors la bat Moko, Baza, ba terroriste. Et c'est ici une occasion de leur dire que Elo Bazo Zela na donc ba kotika la kozo ngote. Merci. C'est pas un problème ya kozo goma. Donc il pousse le gouvernement congolais à une table de négociation. Et négociation ko zalate et kotika la ko zalate tozo ibisa bango et zo tozo continuer co insister
Voilà. Merci beaucoup pour ça, Mathieu. Je ne sais pas si vous dire que c'était la communauté internationale, mais ce n'est pas daté d'aujourd'hui. Au RDC, vous avez dit que la communauté internationale qui est pour l'agression rwandaise. Mais jusqu'à maintenant, tu peux demander si il y a un nombre de ce qui dit que la solution est une décision morte. Et quoi, il y a un agresseur de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cela veut dire par là? Bon, vous savez que la communauté internationale, ceux qui ont une hésitation à copiner ou alors à sanctionner les Rwanda, c'est normalement la communauté internationale qui est derrière le Rwanda. C'est-à-dire Paul Kagame na régime naïe baza que marionnette y a bateau bazouz à la peine on a profit au bazouz on a quatre tambours on a biso. Ça veut dire moi je peux envoyer une personne à Kéibé et là moko quelque part là. Et ceux qui bakani mutuana, est-ce que nous avons vraiment le courage à condamner pendant mutunga mo pendant manatina qui? C'est exactement ce qui se passe avec la communauté internationale. Les communautés sont qui est derrière. Mais exactement, c'est la communauté internationale qui est derrière ce que le Rwanda est en train de faire. Donc même moi, naya maternelle, a ébi réellement que non. Et Paul Kagame, avec son petit pays, ne pouvait jamais faire face à la grande RDC. C'est-à-dire ceux qui Paul Kagame a zozo ba courage wana zozo ba courage wana te par rapport à force militaire azanango par rapport à force sécuritaire azanango par rapport à force populaire azanango azozo a force wana du fait que derrière lui il y a vraiment des grandes puissances au qui des grandes puissances pour na ba économie et pour na économie nango et pour na industrie nango il faut pendant ba puiser na casserole commune. Et par le passé, la RDC était considérée comme une casserole commune. Au moment où on a eu un intérêt qui ne conservait pas l'intérêt. Alors, c'est pourquoi la conscience citoyenne, la conscience des Congolais, tout le monde n'a plus jamais ça en RDC, plus jamais ça. C'est-à-dire, tout le monde a eu un billet donc pillé par des étrangers. Et sur quoi? La communauté internationale, jamais, alors au grand jamais, et le coin est concerné à l'issue. Merci beaucoup pour ce matin. Tu es directement dans le banc en discussion sur la RDC, à ce qu'on se prendre acte. Na refus, il y a renouvellement, il y a contrat na bango sur le plan sécurité à partir de Mbokanabiso. Comment vous avez trouvé ça, mon Mboka Mathieu? Oui, merci, notre journaliste, pour la, Moutouya, et pour la question de la Moutouya. Et on est en train de dire ici qu'un gouvernement responsable, c'est un gouvernement qui se fait respecter et qui doit se faire respecter. Alors, ce qui totalise énormément des résolutions prises par Nini Bato Bazaki na Konte AEAC, ça veut dire que force wana tant que Tobinga Kibango na Katiamboka na Biso, ils avaient un ordre. Ou alors il y avait vraiment des objectifs qu'on devrait atteindre avec cette force régionale. Mais au fil du temps, dans le déroulement, il y a un programme de Bango. Dominique et non, s'est montré vraiment complaisant. Ils se sont montrés défaillants par rapport à la mission de Bango. C'est alors, on devrait... opposants, t'as opposé à Bouaki Bango, vous avez dit que non, mais quand même, les opposants, on va en avance déjà avant que Maramou comme pire comme on a beaucoup matché. Bon, le problème avec le gouvernement et Fatih Béton, et ça, moi, honnêteté intellectuelle, et puis cause à la peine, normalement, donc, franc à ce qui concerne la gestion en Boka. Et nous ne disons pas que tout ce que les opposants ont toujours dit, ils auront toujours à Mabénon. Mais le problème, il y a des opposants à Bissot, ils ont dit non, ils n'ont pas vraiment le canevas à présenter. C'est-à-dire, vous pouvez décrire ou alors dénoncer le mal, mais vous proposez quoi? C'est ça le grand problème avec les opposants congolais. Alors ici, on est en train de parler d'une force régionale qui n'a pas accompli sa mission. La mission était une mission de bouter dehors l'ennemi ou alors l'agresseur de la nation congolaise ou alors de la population congolaise. Alors, dans l'exercice de leur mission, Tomoni Kenon va commettre ça la fond commun avec l'agresseur de la RDC. Alors, un gouvernement responsable qui doit protéger ses populations a dit non à ce que le 8 décembre, il faut pas ça, il faut pas qu'on ait ça à Bango. Ils sont à côté de Baoutaki du fait qu'ils n'ont pas été à la hauteur, il y a que ça, il y a qu'on remplit mission à Bango. Donc c'est vraiment une décision responsable d'un gouvernement qui sait réellement ce qui est mieux pour sa population.
Vous sachez, vous avez besoin d'un ESC pour ramener quoi? Pour renforcer la IFARDC ou bien pour prendre encore une autre force? Oui. Nakati a parti. Est-ce un bon absolument un bon match? Bon, merci de quoi journaliste. Bon, naïbi que moto y a quoi défendre? Ben normalement, ben intérêt na yo. Et ça d'abord yo encore. Nga attendre que tu aies un problème na justice. On entend tu es avocat. C'est vraiment puisque il est technicien, il est professionnel. Na métier wana mais défense ya oyo talinga ezozo apena roma donc sans nango sokinga moko na yebi réellement ko se défendre c'est à dire tant sozo binga na force c'est par rapport ya marambo biso pena roma tozana ngo na kati ya efar dessa na biso c'est une question vraiment très technique je voudrais pas ici dévoiler ce qui se passe au sein de notre armée mais je peux vous dire que nous avons une armée républicaine capable de défendre réellement l'intégrité national, c'est-à-dire la montée en puissance et la force armée Nabiso a été notée par Bintou Keïta, donc Bintou Keïta qui n'est pas une dame la moindre. Donc, ont monté en puissance. Ça veut dire, je me croyais bien, maintenant ma force de frappe, il y a RDC. Il y a un FARDC. Il y a un Tolobi qui est non. En 2013, oui, je vous l'ai dit, M23 et le Mwaka, na 6h30, place Bango Bazaraki. Et avant qu'il soit 17h, avant qu'il soit 18h, Bakanga est déjà Goma. Mais pourquoi prise il y a Goma, prise il y a ville à Goma, na minute au Benarmadon, ils ont commis la Bango Benarmadon. Donc, nous sommes en train de leur dire que RDC et Kotikala Kozala divisé. Tous les autres qui ont été donc, Mobi Manabiso Benarma, donc, Ningi Tozala Ka RDC, il y a depuis 1960 et Kotikala Kozala, Benarma, Ti, Namo Yalilo RDC. C'est-à-dire le M23 par rapport aux forces étrangères, Batikala Koye Bakenon, Mbo Kanabiso et Kotikala c'est damé à 30 cm. C'est-à-dire, c'est un serment où il y a congolais dans le sens de défendre pénalement Mbokanabango et puis nous défendons ce pays sur tous les plans. Et nous en avons la capacité et les moyens. Merci beaucoup. Vous avez la capacité et les moyens de défendre la République démocratique du Congo. Tout ce qui a commencé côté le processus électoral en Burkina, juste comme on a tout de la campagne déjà électorale, c'est déjà ouvert depuis les 19 oui, à moi, oui, tout ce qu'on a. Moi, je suis en train de faire la province, la campagne à l'américaine. Quand, bon, en fait, la campagne à l'américaine, tout le monde a jet, tout le monde a privé, même. Et se faire survoler, n'est-ce pas, c'est rien à République démocratique du Congo. Vous avez perdu quoi, mon Mbuka Matché? Oui, bon, moi, j'avais pris l'option de ne pas citer Mbegozo Tangana. Pourquoi? En fait, c'est une résolution. J'ai pris cette décision-là de par moi-même. Il n'y a pas de cause autant de nos Congolais. Non, mais c'est plus qu'il n'existe pas. Ton frère congolais, autant qu'on connaît. D'abord, il n'est pas congolais. Mais comment ça? Il n'est pas mon frère, il n'est pas congolais. Ça veut dire. Plutôt au cours à valider congolais. Ce qui va jouer pour son anga, Oyo, va jouer pour son anga, Bati Benarma Pembe Nanga Bati Moïse Katumbi. Et vous comprenez que non, c'est vraiment un frère à moi. Mais c'est ton frère? Non, mais lui, c'est un blanc. Hein? Lui c'est un blanc, l'homme à double, à triple ou alors à sa nationalité belé, comment est-ce qu'il peut être mon frère? Nga na koza nandeko nanga Benarma donc mundele te jamais mundele koza nandeko nanga nga za Benarma bantu. Mais papa était secret, il peut pas être secret bien à Benaké Pembe ni monamboka. Non mais ce qui papa était secret de Benaké Pembe, il avait vraiment ses calculs politiques donc moi je ne suis pas contre du fait que papa était Tshisekedi de Abenda qui est Pembeni, mais moi je parle à ce qui me concerne. Moïse Katumbi Azande Konangate, c'est-à-dire, il y a beaucoup de normes à ce qui est donc, Aza Zambien, tu es habité. Aza Italien, tu es habité. Aza Grec, tu es habité. Aza Juif, tu es habité. Mais moi, je suis en train de me faire un peu de normes. Ça, il ne faut jamais imaginer mais, ça. Mais, ça va mais, être vraiment difficile. Est-ce que vous gérez pour Grand Katanga pendant 9 ans? Mais à Gérard Katanga par rapport à Barcor politique, il y a Joseph Kabila, étant donné que Bangonyo se basa qui est congolais, c'est clair. C'est très clair. Donc, il est congolais, Kabila est congolais. C'est que le président peut passer pour être congolais.
Bon, mais quand on veut octroyer un passeport à un individu ou alors une personne qui a demandé ça, où est le problème? À Taïo Moroso qui est aux États-Unis, au Burundi, au Uganda, je ne sais pas, en Afrique du Sud, tu peux demander un passeport sud-africain, ça ne pose aucun problème. Et ça, du fait que non, au Sengi, passeport sud-africain, que non, au commis sud-africain d'origine. Ça ne se fait pas. Donc, vous voyez, normalement, comment est-ce que l'administration ou alors la diplomatie fonctionne vraiment à travers le monde. Katumbi, Aza, Kongolete, Akotikala, Kozala, président de cette République. Jamais, Bissotoko, c'est des mots qu'on a mis sur pour la deuxième fois. Première fois, Isaac avec Joseph Kabila. Et puis, la deuxième fois, ça ne sera pas possible. Alors, on a pena comme un mécanicien, et que nous, il y a comme un pena comme un président, Nakata Moko. Et Kotikala, Kozala, et Kotikala, Kozalimade. Katumbi est président na mboka na biso, il faut bakata biso ba congolais mais tout kufa pona. Mais apparemment c'est comme si vous il dépense d'aller armer na bino bounaka ba yimboka ba opposa na bino parce que à l'époque vous avez acquisé Fayulu étranger sénégalais. Oui. Mais aujourd'hui sous vous avez commencé de traiter Moskatumbi étranger. Israélien, non, nous avons des éléments, non? Juif. Yomoko, nous avons un journaliste d'investigation. Zambien. Yomoko. Non, je ne sais pas, présent Mathieu. Yomoko, vous avez un journaliste, vous avez un grand professionnel de médias. Vous avez bien réellement, vous avez une recherche. D'accord? Ce qui est balobi que nous découvrons, ce qui est sénégalais, mais qui, c'est à lui de nous prouver réellement s'il est congolais ou pas. Est-ce que nous avons un journaliste qui nous a prouvé ce qui est que nous avons un congolais? Mais c'est simple. Je vais faire quoi? Je vais rentrer vraiment dans mes souches. Na ko kende pena roma donc place nga ba botanga na bimisi pena roma école nga na bimisi tribune nga na bimisi clan nga voilà na bimisi pena roma province nga na bimisi territoire nga na bimisi bila onyonso wana et puis na ba territoire wana omuna pena roma ke non mutu oyo awuti pena roma place oyo papa na ye azalaka mama na ye azalaka ndeko na bango le reste. Il y a famille dans le monde. Il y a famille dans le monde. Il y a famille dans le monde. Il y a déjà que non, ceux qui ont commis président de la République, qui ont supprimé, ou qui ont été la première dame. Au moment où nous avons un conflit d'abord, on a eu mon corps. C'est-à-dire, nous avons eu un conflit dans le Congo, dans la maison civile. Et Tony Benarman là-bas étranger, ça va pas non? Ça c'est la République démocratique du Congo, c'est mon pays, je dois défendre ce pays. On ne peut plus jamais céder ce pays à des étrangers, jamais, plus jamais ça. Donc Moutouaza na identité douteuse ne peut jamais prévaloir que ça la Benarman président à Katamboko. Allons la Benarman à Moutou. Et d'ailleurs. Kokoma akoma ki gouverneur ya Katanga c'est par combien Babylon na bango ezaki pena roma donc na sens ya côté ka pena roma ba richesse na ba minerai ya Congo et ya ngwana pena roma epese mbongo a kanisenet que non lokola ezaki gouverneur ya grand Katanga qui n'a même pas bien géré et j'ai suivi vraiment ba bandeko na nga ba Katanga ba bimé si le Katanga a connu réellement le gouverneur, le plus mauvais gouverneur du Katanga, Isa Moïse Katumbi. Ouais, il a l'économie a stabilité grand Katanga mon ami. Yawapi. Botang la biso pena roma banzela oyo etongama na ta ya Moïse Katumbi, ba école oyo etongama na ta ya Moïse Katumbi, ba hôpital etongama, ba marché ya minene etongama, ba aéroport etongama na ta Moïse Katumbi. Nous ne pouvons que se féliciter madame la grande dame Fifi Masuka. Donc c'est une dame qui a montré le meilleur d'elle-même. À ça le pédagogue Makambo, pédagogue Moïse Katumbi n'avait même pas vraiment même la minute mon cœur ça là. Moïse Katumbi c'est un mercenaire, c'est un trafiquant. Moïse Katumbi c'est un businessman. Azong a pédagogue na maramunaie pédagogue ya business et donc à ça la mubo onaie. Et vous avez vu sa descente dans la province, dans la province, donc il a quel poids. Il a fait des marées humaines. Quelle marée humaine, papa. Tu as une image. TV, radio, tu as la combattre campagne pendant un moment où il y a Android, il y a 12 ans, 13 ans, et ça n'a pas passé. Tant que nous avons besoin de temps, il y a comme mixé l'image. Nous avons besoin de
na bato bazo sa ila biso en direct. Katumbi l'a dit qu'il va finir ça, bah, direct, déjà. Une guerre de 1-23 dans 6 mois. Aventurier. Il a une capacité de faire ça. Un aventurier. Donc la seule solution c'est Eza Kozwa RDC. Kokabango, non, aventurier, Katumbi c'est un aventurier, c'est un farceur. Azoua Benarma, donc guerre et Sali Benarma plus de 30 ans, Akessi Sangon a 6 mois. Ça veut dire qu'il va prendre vraiment tous les accords. Oh, yo, mais Félix, il connaît les mécanismes. Oh, yo, ça, là, il n'a aucun mécanisme. Il n'a aucune solution pour négocier sa guerre wana dans 6 mois. Il ne peut pas puisque Akessi Sangon n'engenini. Ce que lui pouvait faire quand il sera président, quelque chose qui ne sera jamais être faite, Eza ya kozwa mboka ya Congo kokabango na batoyo ba zo pesa ye bambongo o ba sou traitance ye. On se comprend. Donc il n'a aucun mécanisme, il n'a aucun on va dire quoi, il n'a aucune solution par rapport à Babilo Kouye à Ocholobana. Donc Kazolo Babilo moko yemoko azana ngudut. Donc c'est un aventurier, c'est vraiment une personne qui réfléchit na kati ya sapatu quoi. Azo réfléchit na kati ya sapatu ceci. Il faut même pas croire, il faut même pas accepter ça. Il faut pas accepter ça. Merci beaucoup pour ça, Mathieu. Tu as besoin d'une minute, mais tu te parlais sur le chef de l'État à campagne. La grande Équateur, la mise en bombe. Mais les gens disent que le chef de l'État, il est en train de promettre toujours. On m'a réalisé la promesse de Nézali, maigre. Il a promettre. Qu'est-ce que cela veut dire pour un chef de l'État, Mnamboka? Partout où il part, il promet. Ouais. Non, mais, cher ami, on dit c'est que. C'est le meilleur promoteur, Tunde Mnamboka. Bah, le but que. L'espoir fait vivre. Au lobby que non, la réalisation est maigre. Non, mais c'est faux. C'est archi faux. J'ai tout un document qui montre réellement la réalisation du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le petit temps qui lui a été accordé, puisque le premier temps c'était avec Bandekonabiso et FCC, qui n'ont pas voulu voir la RDC décoller, ils nous ont consommé 2 ans. Tolito si ça peine au moins donc maramna ba ndeko na biso a FCC balamoko et Covid et il frappé biso et puis ça a déstabilisé toutes les économies du monde. Et Félix Tshisekedi n'a travaillé que pendant 2 ans. Na 2 ans on a, vous avez vu l'arsenal militaire qu'on a aujourd'hui. Pendant 2 ans, nous avons la maternité la maternité qui est devenue gratuite. Pendant 2 ans, nous avons la gratuité de l'enseignement. Et pendant 2 ans, l'économie de la RDC est au beau fixe. Pendant 2 ans, les étudiants étudient vraiment dans des conditions très meilleures. Bomoni Benorma, bas spectacle, bas salle Benorma à travers nos universités. Pendant 2 ans, tout ça, na banzela combien ils ont tonga makende kana bangengiri, kende Benorma na bakanyabayonga, kende Benorma na ba mutoshi partout là, il y a des routes qui sont construites. Gens, il y a des écoles. Des gens ont besoin de social, de manger, programmes. Il n'y a pas mais manger. Mais c'est ça le social, non. Quand vous parlez de social, vous devez éduquer aussi la masse. Quand on parle du social, moi je donne un exemple de par moi-même. J'ai 4 enfants qui étudient dans ma école Mokoeza Kipenaroma, donc ma école Mokoyatalo, des écoles confessionnées catholiques. À l'époque, je ne pouvais même pas avoir l'audace et à Kokene Rozoa. Inscription pour na ba école wana. Aujourd'hui j'ai quand même la possibilité ya ko tangisa bana na ba école wana. Ba école e bana otangisa au moins $650 par mois na. Mais aujourd'hui bana na ba zo tanga. Et alors j'ai 4 enfants. Tu fais $650 fois 4, ça donne combien? Et mbongo na kokaki ko pesa pour na ko tanga ya bana na. Aujourd'hui je peux économiser cet argent pour ko le kela bango mais c'est ka ba avant, on a tout le monde, on a 1+1. Vous comprenez? Alors, quand on parle de la gratuité de la maternité, ce n'est pas du social, ça. Tant que vous avez ça, vous avez ça, vous avez pont. Et vous savez combien de ponts Félix Tshisekedi a fait construire vraiment dans ce pays. Et vous comprenez comment est-ce que le militaire vit dans des conditions vraiment très, très meilleures aujourd'hui. Et vous avez des veuves militaires, Babana a 8000 francs. Et aller vérifier. Aujourd'hui, des 20 militaires basés touchés dans les 500 000 francs. Il veut dire, on se fait croire le Congolais qu'elle, tout ça.